Et salut la team, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, un tuto wheeling, où je vais vous apprendre à faire des roues arrière. Donc je vais vous apprendre plusieurs étapes, mais la règle numéro 1 pour y arriver, c'est que tous les jours vous essayez 15-20 minutes, même si vous n'y arrivez pas, il faut essayer, essayer, essayer. Et aussi pour faire des wheeling, vous trouvez un chemin comme j'ai trouvé, un chemin en terre, c'est lisse, il n'y a pas de voiture qui passe, et c'est plat. Vous prenez ça, après vous levez votre selle, c'est plus simple. Après la vitesse, pour commencer, vous mettez sur une vitesse, la 3 ou la 4ème par exemple. La première étape, il faut que vous leviez votre roue avant en faisant des sauts, vous vous mettez sur l'avant et vous compressez votre suspension, comme ça vous fait faire un rebond et la roue avant décolle. Là, il faut que vous mettiez bien sur l'avant, vous compressez la suspension, et à ce moment-là, vous mettez un coup de pédale, vous tendez les bras, vous mettez en arrière, et vous continuez à pédaler. Faites attention, vous pouvez vous retourner facilement comme ça au début. Alors, maintenant que vous avez levé votre roue avant, en pédalant, il va falloir que vous continuez de pédaler pour tenir le wheeling. Donc vous pouvez vous servir de vos genoux pour faire des virages là comme vous voyez à l'écran et de vos bras pour vous équilibrer, vos genoux, vos bras pour vous équilibrer et faire des virages. Vous gardez les bras tendus et vous regardez loin devant. Vous gardez toujours un doigt sur le frein, toujours même dans les étapes précédentes. Comme ça si vous sentez que vous partez trop en arrière, au-delà du point d'équilibre, vous mettez un coup de frein et vous redescendez au moins. Voilà. Et je vous laisse avec les images et ça va être la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo tuto wheeling. Donc dites-nous si vous voulez encore des vidéos tuto.